Le conseil frappe fort en première balle de service est un conseil nul et je t'explique tout de suite pourquoi. Je vois souvent des entraîneurs qui pour la plupart du temps entraînent des joueurs 4ème, 3ème série dire en première balle de service il faut que tu frappes fort. Et pour moi ça constitue un conseil nul, pourquoi? Parce que bien souvent ce qu'on peut voir c'est que lorsque les joueurs se positionnent en première balle de service, si on quantifie le pourcentage de premier service qui passe dans le court, ça va représenter peut-être entre 20 et 35%, ce qui est totalement insuffisant. Ce que je t'invite plutôt à faire, ça va être de travailler ta première balle, de mettre plus de puissance que sur ta seconde, mais de réduire la puissance par rapport au fait d'envoyer un gros scud en première afin d'avoir un gros pourcentage de première balle et d'être en confiance sur tes jeux de service. Ça va te permettre d'éviter de faire des doubles fautes parce que tu es constamment en pression lors de tes secondes balles car tu en as beaucoup à jouer, et aussi ça va te permettre d'avoir un service qui fait mal en première balle de service sans avoir un pourcentage de première qui se situe à 25-30%. Si tu veux d'autres conseils et astuces pour progresser dans ton tennis, abonne-toi.